Alors pour moi, l'usinage, c'est avant tout un travail manuel qui consiste à créer ou même à concevoir des pièces à partir d'un plan, par enlèvement de matière avec des outils coupants. Un travail d'équipe qui nécessite aussi du bon sens. J'ai choisi le métier de l'usinage parce que j'apprécie beaucoup le côté méthodique, minutieux, créatif, voire même parfois inventif. Et c'est un domaine où on apprend continuellement. Donc auparavant, j'étais vendeuse conseillère en linge de maison. J'ai eu envie d'une reconversion, donc j'ai pris contact avec l'AFPI qui m'a permis d'effectuer une formation en alternance entre le centre et Flocerve. Avant, j'imaginais l'usinage complexe, où l'intégration des femmes était encore difficile et un côté aussi très physique. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont très ouverts, accueillants, les employés ont envie de partager leur savoir-faire à partir du moment où vous leur montrez votre motivation. Donc pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'usinage, je leur dirais que c'est un domaine épanouissant, on apprend tous les jours. C'est pas un métier sale, les femmes sont très bien intégrées. Donc si vous avez la motivation, la détermination et que vous êtes persévérant, vous avez toutes vos chances. La preuve, moi, ça a très bien marché pour moi.